voir Paris. Un petit séjour d'un mois. Revoir Paris. Et me retrouver chez moi. C'est un peu du coup par coup, hein? Et puis, le principal, c'est d'avoir tout notre matériel, la marchandise, bon ben, on sait à peu près les quotas qu'il nous faut. Mais 650, il faut avouer qu'aujourd'hui, c'est dangereux pour nous, parce que c'est la première fois qu'on le fait. Après, ça devrait bien se passer quand même, parce qu'on est assez nombreux pour le faire. Chacun sait ce qu'il a, doit faire. Les foie gras, on va les mettre au frigo en bas. Les asperges, on va les laisser là sur l'échelle. Et c'est une grande joie de pouvoir dire aujourd'hui, 90 ans du Phuket. On sait que le Phuket est inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques et qu'on n'y touchera plus. Alors, je connais M. Casanova depuis à peu près 25 ans. Alors, je l'ai connu au Saint-Benoît et puis j'ai suivi au Phuket. Et puis, c'est un lieu où on voit Casanova, mais on ne voit pas que lui, heureusement. Mais on voit plein de gens amusants, des gens du spectacle, des gens qui vous donnent de l'argent. Bah, tiens, ah, salut, comment vas-tu? Ah oui, justement, des gens qui vous envoient un contrat, des gens. Donc ça permet de rafraîchir la mémoire à pas mal de gens, tout en voyant des gens agréables aussi, à qui on ne doit rien et qui ne vous doivent rien. Donc ça fait un grand éventail de relations professionnelles très utiles. J'embrasse mon copain parce que j'ai vu l'autre soir, je n'ai pas vu. J'ai même pas vu ma photo, moi. T'as pas vu ta photo? Je suis né dans le même quartier à Alger, le même quartier que Maurice Casanova. Alors pour nous, je vais vous le dire avec l'accent arabe, quel itinéraire social. L'histoire du clochard, alors bah, je lui fais écouter. C'était pas ici. Je suis un peu gêné, mais c'était pas ici, parce que c'était dans un petit bistrot, pas loin d'ici d'ailleurs. On était à une table comme ça, à côté de la... Je l'ai dit en rigolant. De la vitre. Et on dînait, c'était l'été, il faisait clair. Enfin. Et puis il y a un gars qui est passé là. Et puis il a fait un numéro. Il s'est plié, il a fait tout un système. Il s'est plié en quatre, tu sais, la pauvreté, le machin inimaginable. Et puis le gamin a tapé à la vitre, et il l'a reconnu, et le gamin lui a dit oh non, pas à moi, quelque chose. Et le type est redevenu tout. Mais je suis retourné à pied. Et Jean lui a fessé, il lui a donné un peu. C'est pas vrai. C'est insensé, hein. Et il me l'a refait, ça, en descendant l'escalier du Phuket. Je cherche mon verre, je le trouve ici. Je sais qu'on adore notre quartier. J'adore ce quartier. Moi, ici, tu adores maintenant? Moi, depuis quand? Tu adores le Phuket? Naturellement, c'est rue Saint-Benoît. Oui. Maurice Casanova, ça a été le roi de Saint-Germain-des-Prés, et maintenant c'est le roi des Champs-Élysées. Voilà ce qu'on peut dire de Maurice Casanova. Partout où il passe, ça bouge, ça remue, et on le voit aujourd'hui plus que jamais avec ce vernissage de l'exposition des 90 stars du Phuket, c'est-à-dire les 90 stars qui ont, à un moment ou à un autre, séjourné au Phuket pour y déjeuner, pour y dîner. Et comme Rému, par exemple, qui y venait tous les jours de son existence, il est venu prendre son apéritif au Phuket. C'est toutes ces choses-là qu'évoque le vernissage d'aujourd'hui. Et tout ça, c'est le mérite de Maurice Casanova. On a inauguré le bus de Rému que César a fait. Et j'espère que ce sera génial parce que je ne l'ai pas vu. Il m'a téléphoné de son atelier cet après-midi en me disant, tu sais, ça fait 6 jours que je travaille sur ce bus, mais j'arrive pas à le saisir, ce Rému. J'ai dit, si toi tu ne le saisis pas, alors personne ne le saisira. Exquis. Voilà. Mais il est milliardaire. C'est ça. C'est ça. Perdre le Phuket, c'est... Je sais pas, c'est vraiment perdre la vie ici. Tellement ça compte, pour tout, surtout pour le cinéma. Si Achille Talon a un estomac assez important et un profil assez bedonnant, c'est parce qu'il dîne tous les soirs au Phuket. Et on m'interroge souvent sur le langage d'Achille Talon, qui parle un peu de n'importe quoi. Eh bien, c'est au Phuket aussi qu'il trouve son inspiration. Il suffit d'écouter les Parisiens qui dînent au Phuket, ce qu'ils parlent entre eux. Et vous avez un bouquin d'Achille Talon, il n'y a qu'à comparer. Vous lisez, vous écoutez, vous trouverez la même chose. Ça fait rire beaucoup de monde et ça donne 11 traductions dans le monde. Moi, je n'ai jamais tant connu M. Casanova que depuis qu'il est responsable du Phuket. Je ne le connaissais pas auparavant, je ne connaissais que sa réputation. Et le souvenir, c'est pas un souvenir parce que ça se vit,
Mais ce qui me frappe chez lui, c'est sa combativité. Car il a décidé de défendre le Fouquet, il a su mobiliser tous ses amis, il a su y croire, et nous sommes tous derrière lui. Alors je dois dire que cette qualité de battant et de gagneur, c'est ce qui le caractérise. Mais je sais que c'est un homme qui se bat pour son restaurant et par-delà pour tout ce qui l'entoure, c'est-à-dire la culture, le cinéma, la littérature. Et j'aime son combat. Et en plus, c'est un homme de culture à tout point de vue. Bon, ça a été la mascotte, oui, c'est vrai, une des mascottes du Fouquet, mais ça a été surtout une chaleur d'amitié comme ça, spontanée et immense, qui m'a un petit peu submergé, qui nous a tous submergés. Oui, mon verre. Oui, dans un sens, parce que c'est un souvenir de lui et de cette époque fabuleuse de ces grands acteurs, de ces grands artistes, et qui est toujours perpétuée par notre ami Maurice Casanova. Ce sont des moments qui, à travers l'aventure que constitue le métier de cinéaste, ce sont des moments qui vous marquent à vie et pour toujours, et tous ces moments sont liés à ce Fouquet, d'où partait la grande aventure. Un chef-d'œuvre toujours en péril. Toujours. La vie est une menace toujours pour un chef-d'œuvre. Et il faut l'entretenir en permanence, il faut le glorifier en permanence, et il faut qu'à partir du moment où on considère que c'est un chef-d'œuvre, il devienne un lieu de culte et un endroit qu'on protège en permanence. Et la vie est ce qu'elle est, on ne protège pas toujours les chefs-d'œuvre. Quelle est la date de création du Fouquet? Fin 1800, par là. 50 ans. Moi, je dirais les années 30. Très ancien. Hein. Oui, oh, ça peut durer au moins 50 ans. En bas mot. Bah, c'est depuis 90 ans, d'après ce que je vois. Oh, je pense dans les années 20, ou peut-être un peu avant. Je crois que c'est vieux. Et voilà bientôt 20 ans. La cérémonie de remise officielle de la distinction personnalité de l'année est devenue une rencontre bien chaleureuse. Et il me plaît de saluer ici ce soir, dans ce haut lieu de la capitale, la présence de vos amis fidèles, des amis du Fouquet, de vos amis de la presse. C'est vrai que c'est avec une vive émotion que j'ai appris ma nomination comme personnalité de l'année au titre du tourisme français. Qu'ils soient ici tous remerciés, ceux qui ont compris que la culture avait besoin, pour rester vivante, d'hommes de talent, du goût de la communication, du sens de l'esthétique, tout ce qui donne sa dimension réelle et son sens à la vie. Ici, ce soir, je crois que c'est un peu le regroupement de toutes ces qualités, puisque la carrière de Maurice Casanova est exceptionnelle, et surtout, je dirais presque, il y met un point d'orgue, sinon un point final, en tout cas, je l'espère, en réussissant à sauvegarder ce lieu extraordinaire. C'est un homme de dialogue. Il avait appris ça en Algérie, où il est né. Et rue Saint-Benoît, et ici, il a marqué son temps en écoutant. Et il est aimé de tous, des hommes politiques, des artistes, des écrivains, des scientifiques. C'est un homme qui était vraiment fait pour cette maison, et je crois qu'il l'a beaucoup honoré, et qu'on ne pouvait pas souhaiter mieux pour le 90e anniversaire du Fouquet que d'avoir à sa tête un homme comme Casanova. Quel animal pourrait représenter Maurice Casanova au bébé de chaud? Ah, c'est très difficile. Là, c'est une question piège, parce que c'est un homme tellement doux, calme et fidèle. Oh, je le verrais bien en cocker, moi, finalement. Le Fouquet, c'est un petit peu le symbole des Champs-Élysées tels qu'ils ont toujours été. Et je crois que c'est le grand mérite de Maurice Casanova d'avoir, contre vent et marée, tenu contre tous les courants contraires pour faire de cet établissement ce qu'il est, ce qu'il a été et ce qu'il doit être toujours, c'est-à-dire un symbole. Pourquoi je dis en Fouquet? Parce que je connais Maurice Casanova depuis très très longtemps, depuis bientôt une vingtaine d'années, et qu'il a fait partie des gens qui m'ont bien accueilli à Paris dans le domaine du jazz d'abord, en commençant par le club Saint-Germain-des-Prés, rue Saint-Benoît.
Et en ayant le plaisir de côtoyer cet endroit tous les jours, je retrouve donc Maurice et j'ai l'impression d'être un petit peu à la maison. Je n'ai pas dit que j'avais l'impression d'en être le directeur. Non, je suis très bien ici, j'aime beaucoup. Et les sommeliers sont très bons. Vous connaissez mon amour pour le Bordeaux. C'est toute mon enfance. Je venais ici avec mon père qui était un acteur quand j'étais petite. Et puis je ne vais pas vous dire qui j'ai vu parce que ça va me donner un coup de vieux terrible. Mais j'ai vu des gens très importants. Et c'est la première fois que j'ai vu ici Lorraine Bacall et Humphrey Bogart et puis plein de choses. Et puis en plus du Fouquet, j'aime beaucoup Maurice Casanova. Casanova, vous voulez parler du grand personnage littéraire? Oui, à part Casanova, les Vénitiens, mais celui-ci je ne le connais pas, quoi. Très bien. C'est de la même famille ou peut-être bien, non? Non, bien sûr, mais... Pas en tant que propriétaire du Fouquet. Un grand séducteur qui est un puissant d'ailleurs. Si c'est lui, je ne savais pas que c'était lui. Il est avec Tilon Rossi, dans la cuisine du Fouquet, avec le chef et le chef pâtissier. Jules Auguste César Murer, dit Rému. Salon Rému au Fouquet, c'est l'évidence même. Lorsqu'il sortait de chez lui, en fermant sa porte, il disait: si on me cherche, je vais au bureau. Le bureau, c'était le Fouquet. Seul un homme pouvait parler de Rému chez mon maître, bien-aimé Marcel Pagnol. La femme du boulanger, le chef-d'œuvre de Marcel Pagnol, avait été projetée à New York pendant toute l'occupation nazie. Et un jour, Rému reçoit un télégramme dans lequel on le félicitait pour son interprétation, pour le film, sur Marcel Pagnol, etc. Et ce télégramme se terminait par ces mots: et pour en finir, cher Rému, j'espère un jour atteindre à votre vérité. Signé Charlie Chaplin. Je vais demander à Madame Paulette Brun de venir découvrir le buste de son papa. Quand on demandait à Rému, mais... où est-ce qu'on peut vous voir? Il venait au Fouquet. On raconte l'histoire d'un homme qu'il connaissait, qui était devenu ministre et qui voulait à tout prix avoir Rému dans son bureau. Alors il lui téléphone et lui dit: Monsieur Rému, j'aimerais tellement voir Rému. Il venait au Fouquet. C'est-à-dire que c'était tout naturel. Mais vous savez, c'est une tradition du midi. À midi, le rendez-vous au café. Les gens, ils s'imaginent que ça se fait comme ça tout de suite. C'est la première fois que je fais ça. Parce que c'est pas facile de faire quelqu'un comme Rému. Je prenais un quart Perrier. Il y avait 30 personnes qui venaient, il payait son quart Perrier, il disait « Bonsoir messieurs, dames, oh, coquin de sort », et puis voilà, il foutait le quart en payant son quart Perrier, et puis il disait comme ça « Vous m'avez vu, vous m'avez bien vu, et bien, c'est entendu, au revoir messieurs, dames ». Et il foutait le quart comme ça, et c'était à cette époque-là que je venais avec Rémi, moi, parce que c'était... Timidement, j'étais le berger de la femme du boulanger. Ça me fait toujours sourire de penser que maintenant, j'y viens comme naturellement, et qu'à une époque, je regardais si Maupy et Rému étaient là, si Pagnol était là, et c'est vrai que quand on regardait, on les voyait, ils étaient là. Alors, on était fascinés, et c'est un des derniers bastions de beauté, de qualité, de tradition.